Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le National A Expert, c'est-à-dire que vous allez voir les courses de A6 à A10 et bien sûr à la fin la voiture que l'on va gagner. Mais bon, même il n'y a pas de surprise, hein, voilà. Voilà, il n'y a pas de surprise. Vous allez voir ce que c'est si vous arrivez jusqu'à la fin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je fais tout à la manette en automatique et le STT1, hein, voilà, en mode amateur. Pour vous faire voir, voilà, comme souvent sur Internet, sur YouTube, tous les mecs ils ont le volant, c'est beaucoup plus simple, hein, voilà. Nous, on est à la manette, voilà, à l'ancienne. Allez, on se dépêche, on fonce vite pour le A6. Allez, bon visionnage. Allez, on va descendre encore un peu le score. Là, je vais par contre bien vous expliquer, c'est très simple. À part le gros freinage, il y a juste un petit lâcher de bouton d'accélération. Là, on prend bien l'extérieur. Je lâche le bouton. Je réaccélère maintenant. Je prends bien l'intérieur. Et je freine ici à peu près au 400. Je lâche tout. Et je réaccélère maintenant. Presque à la fin du virage. Et puis là, je suis pas mal. Ouais, on va garder celui-là. Bon, facile. Après, bon, on peut encore redescendre, mais bon, voilà. Allez, je vais juste vous mettre la vision extérieure. Voilà, très très simple. Hein. Ça, en 2-3 fois, c'est fini, quoi. Après, si vous voulez vous amuser à descendre le score, vous pouvez. Voilà, extérieur. Je lâche. J'attends, j'attends, j'attends. Là. Vous voyez, dès qu'on commence à voir arriver l'autre virage, on peut réaccélérer. Et puis là, il n'y a qu'un freinage à faire. Milieu de virage, vous accélérez. Là, j'essaie de garder les roues droites. Après, normalement, on devrait aller sur l'autre file. Mais bon, on s'en fout, là, le jeu, il s'arrête là. Mais sinon, de ce côté-là, c'est compliqué pour jouer après. Allez, là, on y va. En mode guerrier cette fois-ci. Donc là, je prends bien l'intérieur. Là aussi, petit coup de frein. J'accélère un peu. Petit coup de frein. Et là, j'attends, j'attends, j'attends. Et là, j'accélère quand je suis, quand je suis bien. Oh, 18-0. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors. On se remet en vue extérieure. Je vous ai dit, c'est très simple. Et là, on peut encore descendre le score facile. Hein. Donc là, bien l'intérieur. Là aussi, petit coup de frein. Vous voyez, à ce niveau-là, on mord. Hein. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se retrouver à l'extérieur pour bien mordre. Surtout, n'accélérez pas trop tôt. Voilà. Si vous accélérez trop tôt, vous allez dans le gazon, quoi. Aucune raison d'aller tendre le gazon, il est nickel. Et puis voilà quoi, tranquille. Bon allez, on va vite faire le A8 maintenant. Allez, zou, c'est parti. Allez, on est parti. Là, ça va être très rapide, il y a juste deux choses à faire. Dans un premier temps, là, ici, je vais freiner très fort. Je tourne et j'accélère maintenant. Et maintenant, j'ai lâché, allez, on va dire un quart de seconde. Un quart de seconde, même pas la manette, sinon je me retrouvais dans le gazon, tout simplement. Ah oui, dans le gazon. Donc, regardez, on va revoir ça au ralenti. Mode extérieur. Comme ça, donc regardez, comme je vous ai pas menti, il n'y a rien, je freine, je tourne, vous voyez, dès qu'elle commence à arriver comme ça la voiture, on accélère, et là, écoutez, voyez, ouais, c'est un bruit de merde que je vous fais, mais c'est pour bien que vous compreniez que j'ai lâché le bouton d'accès pour accélérer à... Juste, j'ai enlevé mon doigt du bouton et je l'ai remis presque aussitôt, vous voyez, parce que c'est pour
pour que ça passe. Sinon, vous allez vous encastrer dans le rebord. Voilà. C'est juste ça. Et puis voilà, quoi. Tranquille, quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà. À fond. Si vous n'arrivez pas au bout de 3-4 fois, voilà. Vous allez voir et ça va passer. Ça va passer très bien. Allez, je vous laisse là-dessus et on fonce de suite au prochain défi. Allez, on est reparti. C'est pas évident, ça fait 4-5 fois que je réessaye. Parce qu'en fait, la voiture, elle glisse trop quand on repart. Vous allez voir. Là, c'est très simple. Ligne droite. On freine à 170. 170, même 160. Hein. On freine tard. Je lâche le frein. Je réaccélère. Doucement. Doucement. Ouais, franchement, c'est la première fois que je le passe si bien. Ah, je m'étonne moi-même. Normalement, ça glisse, hein. Je vous ai dit, hein, 4-5 fois. Hein. C'est pas parce que là, vous avez vu que j'ai pas glissé, que toutes les autres fois, je glissais. C'est pas évident la reprise, hein. Voilà. Le début, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est trop simple. Voilà. Tout droit, 170, on freine. Et voilà. Ouais. Ah, même 160, hein, vous voyez? Là, je freine, je freine, je freine. Je refreine un petit peu. Et là, je réaccélère maintenant. Toujours en fin de virage, je vous l'avais dit. Hein. Et en essayant de garder que la voiture, vous voyez, quand j'accélère, qu'elle reste en position droite. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais c'est important. C'est important. Ça évite carrément qu'elle glisse de trop. Hein. Bon écoutez, je vais rester là, hein. C'est pas mal et puis ça m'intéresse pas trop de descendre le score là-dessus. Ouais, bon allez, on passe au prochain. Bon ben voilà, on vient de débloquer le dernier défi. Allez, c'est parti avec l'AMG encore, Black Series. Allez! Dernière épreuve, on va chercher l'or à fond, bien à l'extérieur, gros freinage, je vais bien chercher l'intérieur, j'accélère, je cherche bien l'intérieur, j'attends, j'accélère un petit peu, à fond, je lâche, petit coup de frein, à fond, et là gros coup de frein par contre, là je gère et là j'attends, je mets les roues droites et j'accélère, je lâche tout, il faut bien rester à l'intérieur et là j'accélère, attention, gros coup de frein là par contre, et là maintenant j'attends, et là dès que j'ai les roues droites, j'accélère, j'essaie de gratter un peu on va dire, allez un peu, et puis voilà, c'est fait. D'un centième, d'un millième carrément. Allez, on va garder celle-là. Allez, c'est bon, j'arrête de toute façon. De toute façon, ça se joue toujours par là. Allez, dernière. La rediff. Voilà, je ne vais pas le dire. Vous voyez, gros freinage. Allez, là, j'attends. J'accélère. Là, le plus important, c'est de rester bien à la corde. Et en fin de virage, j'accélère. Là, il faut plonger à la corde aussi. À fond. Là, par contre, un gros freinage. Là, on gère. Et là, par contre, on attend. Vous voyez, dès que là, on peut aller tout droit à travers les virages, on y va. Là, on freine très tôt pour garder la corde. Important. On accélère, on va bien à l'extérieur. Bien à l'extérieur. Et là, on gère. Et là, pareil, on attend. Et là, dès que je suis à la fin, j'accélère pour faire un tout droit, si vous voulez, dans le dernier S. Et puis voilà. Et puis là, j'ai gagné un millième pour tout, sur la partie. Allez, c'est parti. Et donc là, on va voir la récompense. Voilà, qui nous attend. Ça m'a quand même bien fait chier, quand même. Hein. Parce que je voulais franchement faire un meilleur score. Bah, allez, c'est pas grave. Allez, donc là, on a le permis A. Qu'est-ce qu'ils vont nous filer cette voiture?
je pense. Qu'est-ce qu'il nous avait filé la dernière fois? Ah, une grosse merde là, putain, c'est vrai. Ben voilà, c'est celle-là. Non, je rigole, putain, elle est géniale cette voiture.